Si vous voulez, mais en fait, on avait chacun notre rôle, oui. On ne s'occupait pas de tout, il y en avait des femmes. Puis, quand on n'était que des hommes, il fallait tout faire. Il fallait faire le travail de l'intérieur, et puis la propriété. Moi, je m'occupais surtout de faire la cuisine. La cuisine, la traite des chèvres. Je m'occupais aussi du fromage, tailler dans les moules. De dehors aussi, je m'occupais, par exemple, l'été, de faire le foin, de faire les arrosages dans les jardins. Il n'y a que Jean-Claude, lui, qui s'occupait principalement du troupeau de chèvres pour la garde, le troupeau. Et si, le traire. Mon frère aîné, lui, faisait pas mal de choses. Il faisait un peu du travail de femme. Comme par exemple, il avait appris à tailler les cheveux, à faire l'installation électrique dans les maisons. Il faisait marcher aussi la machine à coudre. Il était assez en droit, quoi, disons. Enfin, à côté de ça, dans la propriété, tous les deux, on s'entendait bien pour faire le travail de la terre, la paysannerie. On allait faire les vendanges, surtout avec lui. Et à la maison, on ne pouvait pas jamais quitter tout. C'était souvent Jean-Claude qui, lui, s'occupait d'entretenir les chèvres pendant notre absence. Ça durait 3 semaines, à peu près, les vendanges. Et alors, on y allait pour gagner un peu d'argent. Les noix, on les ramassait quand nous montions, c'était vers le 15 octobre, voilà, vendanger tard. Mais enfin, on aimait bien dans la plaine faire une saison de vendange. Et c'était qui le spécialiste du fromage de chèvre chez vous? C'était en somme mon frère René et moi, qu'on s'occupait du fromage. Oui, on le vendait, mais il fallait téléphoner parce qu'on ne faisait pas les marchés. Au téléphone, on s'entendait avec les gens de loin, il y en a qui venaient pas d'ici, mais de Ganges, du Vigan. Alors si ces gens arrivaient là-haut, qu'ils pillaient pas du fromage, c'était en métal. On le vendait directement à des particuliers. On le vendait comme ça. Mais ils s'arrangeaient quand c'était des gens qui se connaissaient. J'en prenais pour l'un, il venait maintenant cette fois-ci, puis 15 jours, un mois après, c'était un autre. Par rapport, c'est que ça faisait loin pour monter là-haut. Alors, on se téléphonait comme ça. Ce matin, toi, vous connaissez le mal de Mour, oui. Oui, on voit les châtaigniers en dessus. C'est les mûriers des vignales. Mais nous, pour les chèvres, on en ramassait. Mais on a fait sécher là-bas, au mal de Mour. Il y a des clèves aussi, là. Alors, on a tenu le renommée, et comme ça, elle était vite sèche. C'est une clève en brique, par exemple. Vous savez, au lieu d'être du bois, c'est sorti le matin, on allait se chauffer à la terre. Non, celle-là, c'était un genre, ça faisait comme un pont, toujours en brique, mais c'était des arcades, comme on dit. Et puis les jetons aussi, c'était toujours des briques. Hein. Mais là, vous faisiez le feu aussi pour les sécher? Un petit peu, non, quand même. Non. C'est assez dangereux. Il faut que vraiment, il faudrait alors peut-être, ça pourrait se faire le premier jour ou le second, mais dès qu'elle commence peut-être demi-sèche, puis ce serait dangereux, ça brûlerait. Mais avec les briques, par exemple, ça va plus vite, les châtaignes elles sont quand même plus vite sèches. Ah oui, la brique, une fois qu'elle est chaude, vous comprenez, parce que la nuit on laissait du feu, le soir on avait de la peau de châtaigne hein, de l'année d'avant. Et cette peau, on la mettait sur le feu, c'était des grosses bûches, des fois il y avait 5 kg de bois. Et pour pas que ça aille vite, on y mettait de la peau, et ça économisait le bois, ça brûlait lentement. Et par exemple, il faut la remuer souvent. On la remuait tous les jours, même des fois matin et soir. Et maintenant, vous me direz que le temps, des fois, il n'aide pas toujours. Hein. Je passe en automne, il y avait des fois qu'il pleuvait une semaine. C'est vrai que c'était pas toujours facile. Puis on a monté sèche, comme ça on ne pesait pas beaucoup. On avait des grands sacs, et quelque chose faisait peut-être 10 kilos, peut-être pas grand plus. Pour l'année, on achetait du fourrage. Ah oui, vous comprenez. 50 chèvres, il y en faut pour tout l'hiver. En fait, c'est bon, la feuille, ça donne du lait, ça.
Là, c'est quelqu'un qui porte une paillarde, je l'appelle, une paillarde de fourrage. Et le fourrage, il n'est pas passé à la presse, alors la tête, ça envoie du fourrage. Enfin, nous aussi, on emportait, c'est fait avec des cordelettes. Ouais. Ça pesait facilement combien, là, 30, 40 kg? On pouvait faire jusqu'à 50. Ça dépend comme la longueur de corde que vous mettez. Si par exemple vous y mettez 15 mètres ou 20, vous pouvez embrasser quelque chose de plus gros. C'est rejoint par deux barres. Les deux barres, elles sont trouées pour faire passer les cordelettes. Et puis on les rejoint avec une corde à chaque extrémité. Vous avez par exemple une corde ici et une corde ici. Alors quand le fourrage il est carrément sur les cordelettes, vous tirez, vous joignez sur les deux barres, comme ça. Et le foin est toujours prisonnier, il ne passe pas aller, c'est de bonne portée. Mais enfin, ce n'est pas dur pour la presse, pareil. Et puis ça permet de passer bien aux portes, parce que ce n'est pas très large quand même. Parce qu'on faisait aussi des ballots uniquement avec des cordes, mais là c'était des ballots qui étaient massifs, et pas si longs. Alors pour passer aux portes, ce n'était pas facile des fois. C'était tellement gros. Tandis que ça, c'est moyennement gros, quoi. Pour les charger, on la mettait droite par terre. Alors on se courbait, on présentait le dos comme ça. Et l'autre, il vous soulevait un peu et ça fait que c'était chargé. Et puis si vous aviez un mur, c'était encore mieux. Vous mettez ça sur le mur et c'était bien comme ça. Vous pouviez le charger tout seul. Mais après les ballots, on le faisait surtout quand c'était dans la montagne et quand vous voulez le câbler. Pour le câbler, c'était plus facile. Les deux cordes étaient passables l'une de l'autre. Alors, on rejoignait deux cordes l'une dans l'autre, comme ça, assez serré. Et puis, on mettait la poulie sur le câble, et avec les poils, on aussi le fil, comme ça. Et une fois que puis, le ballon ne touchait plus, ça partait, c'était vite au fond. Et puis, ça ne s'abîme pas, ça. Même que ça passe quelques tournons, ça n'est que derrière. Je ne sais pas comment les châtaignes, il n'y a plus de ça qui se perce. Quand ça arrive à toute vitesse, ça s'arrête à lui. Il fallait pas le sécher, il fallait pas les remplir complètement. Il fallait un peu de mou. En 70, je sais pas, les bêtes cette année-là, il avait pourri les châtaignes sur le sol, il avait gelé, puis il avait plu, enfin, ces châtaignes étaient pourries, et c'est que les bêtes les mangeaient quand même. Alors, c'était intoxiqué, et finalement, il en avait péri pas la moitié des moutons. Alors, on a vendu quelques-unes qui s'en sont tirées, et on a dit, tiens, on va mettre des chèvres. Et les chèvres, évidemment, c'est encore plus esclaves, parce qu'il faut faire le fromage, il faut traire. Enfin, ça rapporte peut-être un peu plus. Et les chèvres, on les a gardées jusqu'à ce qu'on descende ici. On les a vendues quelques jours avant. Vous en avez eu combien de chèvres à la fois? Le maximum, une cinquantaine. Hein. Et les moutons? 30-32 cènes, hein. Pas guère plus, non. Enfin, ça donne du travail, ça, les chèvres, c'est d'esclaves. Il faut d'abord les garder tout l'été, ça on ne le transhume pas. Et puis l'été, il faut les sortir deux fois, parce que, étant donné la chaleur, on sort le grand matin, puis on les ferme vers 9h30, 10h, et le soir, de nouveau, vers 5 ou 6 heures, on les sortait jusqu'à la nuit. Alors ce qui fait qu'il fallait faire des pas, c'était pas si plat. Alors, il fut une période, pendant la guerre ou même avant, les gens, ils avaient des châtaigniers et c'était son gagne-pain. Et alors, disons qu'il les ramassait les châtaignes, si maintenant on ne les ramasse pas. Et alors, ce qui fait que la période des châtaignes, pour ne pas être embêté, il est tenu de la route de la ski en haut, sur les cimes, là, comme ça. Et alors, en ayant des bergeries sur place, comme ça, là, alors il ne descendait pas en masse, et comme ça, pendant ce temps, les gens ramassaient leurs châtaignes. Vous pouvez dire, vous sur la tête, vous pouvez remarquer, s'il y a des châtaigniers, ce sont des sauvages, ou, c'est vrai, c'est pas le pays bien pour avoir des châtaignes. Alors, ces bergeries, chacun en avait une pour fermer, somme les moutons.
Je vous dis, nous autres, ça a marché avec, avec Ménard. Ménard, nous les fermions, là, au sous le coin de l'Astier. Et il y a deux bergeries. Je ne sais pas si la toiture y est toujours. Il y en avait une petite pour les chèvres. Et puis une autre, on pouvait y fermer une centaine de bêtes. Et alors, ça, c'était pour ne pas descendre les bêtes au masque. Parce que malgré que le berger il fasse attention, vous savez, les enseignes, c'est le deuxième, hein, je peux vous le dire. Alors c'est pour cette raison qu'ils avaient fait des bergeries, il y en a un peu partout, mais sur les hauteurs là-haut. Il y a celle d'Américaine aussi, qu'on dit, au Rocher de Corbière. Ça, c'est une bergerie, comme on me rappelle, ils fermaient les moutons en période d'automne. Oui. Ah si, les moutons ne transhumaient. Si. Ah oui. On les donnait à des maîtres bergers qui vont dans l'Auxerre ou vers les Gouales par là-haut. Alors, c'est des bêtes que ça crée en été, ça. La laine, ça s'échauffe. On les tonne un bon mois avant de partir. Elle repousse. Là. Le transhumant, ça a toujours existé, ils disent. Le transhumant sur des moutons. Les chèvres, on peut les transhumer sur les cuivres, par ici. On en voit des fois des chèvres dans le transhumant, ça. Il faut que ce soit le maître berger qui lui-même en a, mettons, 5 ou 6 ou 7 ou 8 qui sont les siennes. Alors, dans ce cas, il les monte avec les moutons. Ça suit les moutons qui sont de ça. C'est éveillé. Un peu de vigne, un peu de jardin, et puis des pommes de terre. Ils se mettaient beaucoup des pommes de terre, plutôt que des oignons. Et un peu de seigle, oui. Entre 500 et 1000 gerbes, par là. C'était des gerbes de seigle. Le seigle, c'est une paille, ça vient assez haut. On faisait ça, et puis on faisait aussi les berges à soie à une époque. Ça, c'était de nouveau une saison plutôt gagnée. Donc vous aviez des mûriers alors Oui, il y en reste, mais il y en a dessous le corps, il y en a un peu dans toute la vallée. Oui, on passe les mours, voilà, je crois qu'ils ont arraché pour mettre les oignons. Avec le seigle, on le ressemait pour faire des pâtures, pour faire pâturer les chèvres. Et puis aussi, le grain, on le faisait tremper dans de l'eau bouillante et on le donnait aux agneaux. Les jeunes agneaux, ça leur était profitable, ça. On le laissait tremper pour qu'il soit pas si dur. Et on a fait aussi de la farine à Rieussé. On est sur le chemin du Côte de l'Astier, là, presque. Ce sont les derniers champs, la Languite Vanière, au monde du Côte de l'Astier. Vous voyez que les bigots, ils étaient longs, enfin là, il venait du Forgeron. Il est long, il faisait jusqu'à 60 cm. On en avait l'habitude, et puis la terre, elle est si prête. Même les joueurs, ils étaient entiers. Oui, et bien, c'était du terrain sablonneux. Oui, il y a le panier, on mettait les pommes de terre. Alors là, mon frère, il a commencé de lever à peu près, je dirais, à peine 10 cm. Mais puis après, on repasse le sillon, et alors là, on y va au moins à 25 ou 30 cm. C'est pour ça que vous avez le travail propre. Si vous avez de l'herbe qui est mal arrachée, en la couvrant, il faut que ça périsse. Oui, mais souvent, comme je vous dis, c'est un travail de bagnard. Vous faites ça tous les jours. Moi, j'en ai qui sont courts, même beaucoup de vent ne servent pas beaucoup. Alors il vous allonge, on appelle ça le galet, pour couper des fois une orange. Ça taille, quelque peu. Et puis alors, il est bien pointu, il faut qu'il soit. Et puis la pelle, quand la terre est trop sèche, elle passe à travers les deux cornes, alors il faut avoir une pelle. Tandis que si la terre est fraîche, bien, vous la sortez, elle ne passe pas à travers les cornes, vous la soulevez comme vous voulez. Puis on s'en servait pour prendre le fumier aussi. Le cambounet, ça s'appelait ça, le cambounet. Mais vous aviez des traversiers quand même, des bancelles là. Oui, oui. Tout le sud de la maison, là, c'était un somme à nous, on le faisait valoir. Et il y a rien assez de chauffage pour le pilote. Quand il faut le faire à la main, il y avait assez de chauffage pour s'occuper. Comme à présent, il se met pas mal d'oignons dans le coin là-haut. C'est pas besoin d'hectares pour faire 5 ou 10 tonnes d'oignons. Hein.
On en a toujours mis. Et je veux dire, il n'y avait pas de débouchés. Alors, ils ne pouvaient pas implanter comme maintenant. Il y a une coopérative, il y a des pots là, avant d'arriver à Pondéro. C'est pour ça qu'ils implantent de plus en plus. Puis aussi, ils ont d'autres méthodes que ce que nous on faisait. Ça s'est modernisé, vous voyez. Oui, les façons d'arrosage. Il fallait avant en arroser avec une espèce de pelle, là, c'est tout comme ça. On appelait ça la gadouille. Maintenant, ce sont des asperseurs ou ça se fait tout seul. Oui, on appelait ça la zagadouille. Azaguer, en patois, ça veut dire, en France, ça veut dire arroser. Alors on dit une zagadouille. Des pelles comme ça, ben, oui et non. Ça, je n'ai pas fait de pareil, quoi. C'est ovale, en fait, en ovale, comme ça. Et il y a une douille pour mettre le manche. C'est le sujet, là, celle-là, c'est très ancien. Hein. C'est l'ancien. Mais je vous dis, je m'en sers quelquefois pour les plus petites chevaux, mais à ce moment-là, c'était les grandes surfaces. Vous avez la zagadouille, on sait quoi. À Rieuxet, là, il y avait un chien qui disait toujours, il y a un tout bon homme, il dit sur Rieuxet, il faisait le paysan. Eh bien, je peux vous dire, il mettait, qui sait combien des heures il mettait pour arroser tout ce champ avec une zagadouille. Vous savez que c'est pas le tout repos, hein, pour jeter l'eau comme ça. Mais en fait, l'ancienne, je ne connaissais pas autre chose. C'était ces vignes qu'on vendait à Angers. Alors on les montait à la route, et puis on avait un petit motoculteur, on les montait comme ça. Mais on avait fait avec des corbeilles. Et alors les corbeilles, c'était aussi commode. Mais c'est plutôt quand le raisin était quelque peu pourri, le jus il coulait sur le dos, et puis comme il y a du sucre, la chemise elle se collait à la peau, c'était pas intéressant. Et là au moins ça coule pas. Oui, le pied le poussait, c'est pour pas que ça blesse. On disait le camisard. Ou alors, il y en a qui disaient le coussin tout court. Oui, on y mettait de la paille dedans, du fourrage. On le serrait et on formait l'emplacement de la tête. Il ne fallait pas mettre le bras trop serré, il fallait que la tête s'emboîte bien dans le coussin. Ah oui, encore ça vous blesse. Ça ne blesse pas comme les corbeilles, quand même, en scène. Oui, ça avait à peu près 35-40 kilos, que vous voulez toucher un peu avec les pieds. Les corbeilles, il ne fallait pas les trouiller, parce qu'alors c'était le pire. Si on commençait à les taper dessus. Ça se tient avec la cornelière, comme ça. On peut les sortir avec les deux barres. Celui qui veut sucer un endroit qui est bien plat, vous mettez une barre de charcuterie par des fois sur deux hommes. Les raisins, on le coupait beaucoup au couteau. Les enfants, il y avait des fois des qualités que c'était dur et c'était assez pénible pour les couper au sécateur. Nous, c'était au mascombillard, là. On avait la propriété à la ferme. On avait la jouissance et de la cuve, puis des tonneaux. Et le pochoir, il était à plusieurs. Mais c'était quand même commode, oui, ça permettait de pressurer. Il fallait s'entendre. Par exemple, le dernier qui pressure en tête de l'année, en principe, le laissait à sa maison. Et puis l'année d'après, en principe, la personne, il aimait bien le faire avant que quelqu'un le prenne. Parce que sinon, il fallait aller le rechercher. Alors, du moment que le pressoir était dans sa maison, il aimait quitte à avancer d'un jour ou deux. Comme ça, il n'avait pas besoin de le charrier. Et sur le dos, c'était haut. Il n'y avait que la route aussi de Corbière. Mais pour aller à Ferret, pour aller à Ventillard, pour aller à Salençois, il n'y avait pas de route là. Parce que, je vous dis, il fallait compter une journée, au moins une journée, pour pressurer. Je levais souvent à 4 ou 5 heures du matin, et comme ça avançait. Dans la cuve, des fois, il fallait faire 4 ou 5 pressoirs comme ça. Alors il faut aller le temps, il faut les friter.
si vous la mettez en bloc, après elle ne rend pas le jus cohérent. Il faut bien l'effriter et puis vous la tassez quand même avec ses poils. C'est hier. Au 7e nom, je veux dire, c'est peut-être la jeunesse, quoi, même qu'il soit âgé. Et puis il était éveillé. Pour les fêtes, il chantait, il montait sur les tables, il était de certain âge. D'ailleurs, il avait un peu appris ça, comme toute sa vie à jouer de l'accordéon, il participait aux fêtes. Alors, tant qu'il a pu, alors c'est ça qu'il avait l'ambiance. Je m'en souvenais, je ne voyais que lui. Il devait en avoir d'autres, il devait en avoir peut-être un valeureux dans d'autres villages. Je me rappelle quand il tenait en fait au Tivre à Vinqué, là où il y a les Pivarots. Mmh. Oui. Et il se mettait par ces escaliers qui montent là à cette grange, et il se mettait là et jouait. Et il dansait. Ah, je ne me rappelle pas si chantait, je ne sais pas si chantait bien. Il jouait toujours, mais je ne sais pas si. Vraiment, c'est chanté maintenant. C'était une chanson de l'époque, quoi. Mmh. Oui. Mais il aimait de jouer. Il aimait. Et il allait des fois loin, en vélo.